place pour les championnats de France, Benjamin Cadet, garçon et fille. Championnat de France, Benjamin Cadet, garçon et fille. Et là, on assiste donc sur la table numéro 1 à la rencontre qui oppose le Montpelliérain Devan Lemaire au joueur de Jouer les Tours, Aurélien Bonneau. Un match de bas de tableau, c'est les 16e de finale. Cette fois, nous sommes au meilleur des 5 manches. Nous sommes dans la petite catégorie. Lemaire au service. Voilà donc Devan Lemaire qui était tête de série. Et qui joue donc Aurélien Bonneau qui s'est débarrassé de Constantin Raposo de Levallois en match de barrage. Donc la compétition se déroule sous phase de poule, des poules de 4. Le premier va dans le tableau et est qualifié directement. Et donc les 2 et 3 ont joué des matchs de barrage, le quatrième de poule étant éliminé. Et là donc on est rentré dans le tableau élimination directe en 16e de finale. Tableau élimination directe jusqu'au titre de champion de France. Les finales se déroulant demain après-midi. Voilà un match serré pour l'instant. 6-5 pour Devan Lemaire. À Aurélien Bonneau de Jouer les Tours. Jouer les Tours qui dans les catégories jeunes a toujours beaucoup de monde, que ce soit chez les garçons, chez les filles. C'est un très très bon club formateur, mené de main de maître par Claude Barre, manager du club, assisté de ses différents entraîneurs et aussi toujours une très bonne approche par rapport aux jeunes vers le haut niveau, avec une entente avec le club de la 4S Tours et le Pôle Espoir de Tours qui clôture tout ça. Donc vraiment un bon système mis en place par la Ligue du Centre, dirigée par Nicolas Metero. Voilà, 9-5 pour Devan Lemaire de Montpellier. Montpellier aussi un club formateur. Avec à la tête de ce club, forcément, les deux frères Lebrun. Pour rappel, Alexis qui s'est encore qualifié là-bas à Zagreb pour la demi-finale du Pro Tour. Superbe match d'Alexis qui a gagné sur Matsushima. On est emmené 18 à la belle et qui a été chercher le match. Comme un grand champion, Alexis qui défiera sans doute un Coréen demain en demi-finale. Bravo à lui. Merci les frères Lebrun, merci Simon Gauzy, notre très belle équipe de France, vice-championne du monde et qui fait le buzz hein, au niveau des médias actuellement et qui fait un énorme bien à notre tennis de table national, tant sur le plan des résultats que dans la promotion du ping. Beaucoup de gens s'intéressent au ping dorénavant, forcément quand on a des leaders comme Félix Lebrun, 5e joueur mondial, on s'intéresse au sport et c'est tant mieux pour notre beau sport, le ping, sur le plan national et surtout en vue, forcément, des Jeux de Paris 2024. Voilà Devan Lemaire qui fait respecter donc sa position de tête de série et qui mène une manche à zéro sur Aurélien Bonneau qui n'a pas démérité jusque mi-set. Après, Devan a pris le dessus. On va voir la suite dès le début de ce deuxième set. Une remise un peu manquée là de Devan. Il a voulu faire une remise latérale.
qui est parti un peu haute et qui a permis à son adversaire de démarrer. Voilà, deux très bons démarrages avec le topspin. La part de Aurélien Bonneau qui mène 3.0, qui a une très belle réaction là, qui est très offensif, il essaie d'avoir l'initiative en premier. Ouais, là c'est pas la faute de ton coach là mon gars, c'est de ta faute, reste concentré sur ton match. Voilà, mets de la qualité dans les topspins et tu auras une chance de pouvoir l'emporter. Toujours réagir par le jeu, pas tomber dans les parasites extérieurs, que ce soit à cause du supporter, à cause du coach, à cause de n'importe qui. Non, c'est le joueur qui joue et qui doit trouver des solutions par le jeu. C'est très important. Voilà, 4 points partout. On est reparti comme au premier set. C'est serré jusque mi-set au niveau du scoring. Ouais, bien joué là. Devan qui est un peu trop passif, son coach qui lui demande de topspinner la première, le service est souvent long. Ah là, il était bien servi. Voilà, 6-4. Pour Aurélien. 8-4. Voilà, son courage. On voit souvent dans la catégorie Benjamin où il y a beaucoup d'énergie hein, chez ces petits joueurs, ces jeunes joueurs. Par moments, ça peut influencer sur l'autre, mais ça peut aussi faire des fautes en étant trop énergique, trop volontaire. Donc il faut savoir canaliser tout ça. Mais bon, dans les jeunes catégories, c'est là où on apprend aussi de ses fautes pour mieux progresser derrière. Et 6 balles de 7 pour Aurélien. Un service manqué, Devan qui est très agacé de son niveau de jeu là sur ce second set et qui manque son service. Une manche partout, un match très intéressant. Christophe Degout qui va sans doute me rejoindre ensuite dans la catégorie Benjamin. Beaucoup de monde cet après-midi à Arnas. Hein, souvent dans ces petites catégories, il y a beaucoup d'engouement au niveau des familles. Les joueurs se déplacent beaucoup en famille et ça met de l'ambiance. Surtout dans ces matchs à élimination directe. Et c'est le début de l'apprentissage vers le haut niveau pour tous ces joueurs. Voilà, je pense que le coach de Aurélien va lui demander de continuer à prendre l'initiative. Alors que de l'autre côté, du côté de Montpellier, je pense qu'on va demander à démarrer les services longs. Devan ayant été très passif là en retour de service, je trouve, sur cette deuxième manche. Voilà. 0-0, début de la troisième manche. C'est Devan Lemaire qui prend le service. Aurélien au service. Ouais, bien joué. Devan qui a un jeu basé sur la contre-initiative. Hein, on le voit, il pousse beaucoup long, il fait démarrer l'autre et derrière pour mieux le prendre en bloc derrière. Très bien bloqué sur le premier démarrage.
Aurélien qui a démarré la balle un peu derrière, qui a donné du temps à Devan de bloquer en étant actif. Voilà, très bien. Prise de temps mort très rapide. C'est important, je pense que le coach d'Aurélien va lui demander de placer un peu mieux les démarrages, de mettre un peu plus de qualité. Démarrer plus profond, un peu plus au milieu, plus bas également pour mettre la balle vraiment très difficile à bloquer pour que l'adversaire contrôle et non pas soit agressif sur ce bloc pour permettre d'enchaîner derrière, pourquoi pas avec des prises de pivot. Devan qui revient le premier à la table. Service Devan Lemaire, 4-1. On reprend le service d'Yvan Verlon. On cherche à pivoter, à rentrer le contre-top. On sent un très bon jeu de table chez Devan dans le côté revers. Voilà, encore un bon démarrage. Il a bien lu la quantité d'effets qui lui est arrivé dans le côté revers. Il a démarré soft en ligne. C'est bien joué de sa part. Aurélien qui continue à essayer d'être très rapide sur les jambes, force un peu ses coups là, il est moins fluide par rapport au second set. Ah, c'était bien joué là, de la part de Devan avec cette poussette tendue dans le coup droit pour ramener profond dans le revers. La petite gratte qui fait du bien, 8-4. Pour Devan Lemaire dans cette troisième manche. Il y a beaucoup plus de contenu de sa part, beaucoup moins de déchets, une ou deux balles de chance qui font tourner au niveau du set. Bravo, superbe point. Superbe point parce que Devan avait super bien bloqué. Je pense que s'il perd ce point, il va y avoir une prise de temps mort pour gagner le set. Voilà. 9-8, c'est normal, c'est logique. Il y avait 8-4 pour Devan. Ça revient à 9-8. Le troisième set est très important pour le déroulement de cette rencontre. Et c'est un bon temps mort qui est pris du côté de Devan.
Ah, c'est un bon premier tour là parce que ça joue un bon niveau là. C'est deux joueurs qui se tiennent. C'est les aléas du tirage au sort. Hein. Deux joueurs à bon niveau qui se rencontrent dès le premier tour. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Neuf partout. Devan qui a voulu démarrer mais qui est resté très timide sur l'action menée à la balle. Il n'a pas donné de vitesse, il a pris l'effet coupé. C'est 9 partout, service Aurélien. Alors, comment va-t-il servir? Ah voilà, ça s'est bien coaché hein, parce qu'on lui a demandé de pivoter. Aurélien qui n'arrive pas à tenir le service au-dessus du plateau, qui a changé un peu le placement. Ah, c'est bête là, faute de jeu de table. 10-10. C'est rageant de manquer cette remise là en s'accrochant comme il le fait, Aurélien. C'est malin ça, hein, c'est très très bien servi. Il a vu que Devan avait pivoté le service d'avant, il lui a fait le service bon, faut oser, hein, 11-10. C'est gonflé mais c'est bien joué de sa part. Attention à rester concentré, c'est qu'une balle de 7. Reprendre ses esprits, mettre de la qualité dans le service pour avoir l'initiative derrière. Et voilà, 11 partout. Voilà, on va à la serviette. 12 partout, pardon. Je me suis trompé dans le score. Je le regrette, mais c'est très intéressant là au niveau de comment mener son point. Il y a Aurélien qui veut continuer à démarrer, à avoir l'initiative en premier. Et Devan qui reste dans sa contre-initiative. Voilà, bien joué de sa part là. Avec son service latéral au milieu, il a amené la balle où il voulait, c'est-à-dire dans son bloc revers, pour bien contrer. Ah, c'était trop évident là, le service deux fois en ligne. Il aurait fallu que Aurélien serve un peu plus court au milieu par exemple pour avoir une bonne balle à démarrer, mettre de la qualité. Mais bon, il n'y a que 2-1, hein, rien n'est fait. C'est un match qui est très accroché, très serré. Les 3 sets ont été très disputés et c'est pas évident de sortir un favori de ce match. On va voir comment le match va évoluer dans le temps, mais Devan a repris de la confiance avec son bloc revers. Il va falloir qu'Aurélien soit un peu plus régulier au niveau des prises d'initiative. Voilà, que ce soit par les prises de temps mort, que ce soit dans le coaching entre les sets, on n'a toujours qu'une minute pour donner ses consignes. Par contre, l'évolution du coaching, c'est qu'on a le droit de parler tous les points, alors qu'auparavant, bon, on pouvait le faire, mais si on se faisait rattraper par l'arbitre, on pouvait prendre des cartons et être averti. Donc, voilà, maintenant c'est autorisé, on peut parler tous les points à son joueur. Alors, il y a parfois des limites à ça et il faut savoir trouver le juste milieu pour guider son joueur. Voilà. Voilà, Aurélien au service, 4e manche. Voilà, il essaie de servir court, petit côté.
Oh là. Balle de chance pour débuter. Ah, ça fait partie du jeu. Balle au filet. Bon service pioche au milieu. Il amène un plus d'Evan, il n'avait pas encore joué. Ouais. Devan qui remporte la bataille du revers là. Hein. Bon rallye. Revers avec des changements de direction au milieu. Et c'est Devan qui prend le dessus. Il est dans sa filière là dans le jeu revers. Hein. Il a un très très bon revers. On le voit depuis le début de la rencontre. Un 4. Démarrer d'Evan, c'était pas mal vu, mais pas assez de quantité d'effet, trop de hauteur qui permet à Aurélien de contre-topper et de marquer son deuxième point. 4-2. Voilà. On prend son temps entre les points. Chris Legout qui me retrouvera tout à l'heure, qui en tant que directeur à la fédération au niveau des épreuves va à la réunion avec le président de la fédération Gilles Herbe qui est arrivé sur les lieux et qui va donc débuter une réunion avec les organisateurs et Christophe Legout, le directeur de la fédération. 6-3 pour Devan. C'est bien parti pour lui. Aurélien ne s'en laisse pas compter. L'importance de la gagne au troisième set, hein, l'importance de la prise de temps mort. Bonne poussette au coude. Voilà, 7-5, rien n'est fait. On commence à rentrer dans le money time dans cette quatrième manche. Très bon enchaînement là, démarrage du revers suivi d'un coup droit en parallèle, c'est bien joué de sa part, bravo Devan, 5-8. Oh superbe, quel bel échange, je pense que la balle est bonne monsieur l'arbitre, oui, 6-8, mais quel bel échange là. Très très bel échange de la part de ces deux joueurs. 8-7, le clan de Jouer les Tours qui est en forme et qui pousse son joueur à revenir à deux manches partout. Très bien joué de la part de Devan, une fois de plus. Un bon démarrage, compact au pivot sur milieu, enchaîné avec sa bonne qualité de revers. C'est sa filière, le revers. Il gagne beaucoup de points dans la diagonale revers. Ouais, bien placé là au milieu. Très très bien. C'est un très beau match là pour cette catégorie des Benjamins.
deux joueurs qui se tiennent. Un premier tour très compliqué là pour les deux joueurs. Hein. C'est vraiment dur au niveau du tirage au sort, mais c'est ainsi. Et deux balles de match pour Devan Lemaire dans cette quatrième manche. Il a le service. Peut-être va-t-il revenir avec son service pioche. Non, il décide de servir en revers. Ah non, il revient avec le pioche. Là, il n'a pas été dans le rythme de la balle. Hein. Il est parti sur une balle à contre-topée, je pense, rapide. Elle était plus courte que prévu. Il a oublié d'avancer dans la balle, il a pris la rotation. Et voilà, c'est gagné pour Devan, 3 manches à 1. Laurent Kova qui s'est soulagé de cette victoire, mais qui a pris un très très bon temps mort à la troisième manche. C'est là qu'on sent que le coaching est important aussi dans ces petites catégories. Et Laurent, connaissant le très haut niveau, a pris vraiment un bon temps mort, mais bravo à Aurélien qui ne s'en est pas laissé compter, qui s'est battu, c'était un match.